t'entendre, Père. Je te remercie, Seigneur, pour l'opportunité, pour le privilège, Seigneur, Dieu de gloire, que tu m'as fait, Seigneur, de me tenir devant ton peuple, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu le sais combien je suis incapable, ô Dieu de gloire. Tu le sais, Seigneur, combien je ne sais pas parler, Seigneur, Dieu de gloire. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, ô Dieu. Je ne compte pas sur moi-même, Seigneur, parce que je ne sais que je suis rien, incapable que je suis. Je compte sur ta grâce, Saint-Esprit. Seigneur, laisse que ce message, mon Dieu, mon roi, puisse transformer une vie, Seigneur. Puisse transformer des cœurs, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Romains. Romains 12. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Nous avons tous trouvé. Je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce soir, nous allons parler sur le renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est quoi l'intelligence? D'après les dictionnaires, l'intelligence, c'est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits, de découvrir ses relations entre elles et d'aboutir à une connaissance conceptuelle et rationnelle. Elle permet de comprendre et de s'adapter à des situations nouvelles et peut en ce sens être définie comme la faculté d'adaptation. L'intelligence peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre des objectifs. Alléluia. Vous savez que l'être humain est composé de trois parties, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Avec l'esprit, nous rentrons en communion avec Dieu. C'est avec l'esprit que nous adorons Dieu. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, avec l'esprit, nous rentrons en communion avec Dieu. L'âme, c'est le domaine des émotions, des sentiments, ou encore de l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence. Et le corps, c'est ce support avec lequel nous sommes en contact avec le monde physique, avec le monde matériel. Alors, c'est quoi l'intelligence? Il y a deux sortes, j'ai noté deux sortes d'intelligence. Donc, premièrement, nous avons l'intelligence qui nous vient du monde et de son système, celle qu'on acquiert au travers des études, des traditions et qui va façonner notre existence, notre façon de percevoir ou encore de faire les choses. L'intelligence qui vient du monde nous apporte la connaissance sur le monde. Ensuite, nous avons l'intelligence qui vient du ciel, c'est-à-dire qui vient de Dieu. L'intelligence qui vient du ciel nous apporte la connaissance sur Dieu, sur le royaume de Dieu et sur la volonté de Dieu par rapport à nos vies. Cette intelligence est bonne et parfaite. Par contre, l'intelligence qui vient du monde est corrompue. Pourquoi?
Parce qu'au lieu qu'elle nous rapproche de Dieu, celle-ci nous éloigne de Dieu et nous égare. Alléluia. Donc, elle nous éloigne de Dieu et elle nous égare. Pourquoi cela? Parce que le monde est en rébellion contre Dieu. Le monde est en rébellion contre Dieu. Nous allons aller dans 1 Jean 2, 15. Nous allons prendre 3 versets. 1 Jean 2, 15. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 2, 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc dans le monde, nous retrouvons ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Amen. Ensuite, nous sommes dans Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu nous dit ces choses? Pourquoi Dieu nous dit ne pas aimer le monde? Pourquoi Dieu nous dit que si nous sommes amis du monde, nous sommes devenons ennemis de Dieu? Nous retournons dans 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Et là, nous avons la réponse pourquoi Dieu nous dit ne pas aimer le monde. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance, sous la domination du diable. Voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas aimer ces choses, ni aimer le monde, ni ces choses qui se trouvent dans le monde. Et Jésus fera cette prière avant de partir dans Jean 17, en disant, en priant par rapport aux disciples, en disant, Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Autrement, si nous étions du monde, nous serions sous la domination du diable. Amen. Le monde symbolise aussi Babylone et son système impie. Babylone, c'est-à-dire la société dans laquelle vous et moi, nous vivons. Cette société avec son système politico-religieux qui égare les hommes et les pousse à vivre dans des vies de débauche, de décadence, d'immoralité, de perversion. Et cela est fait exprès. Cela est fait exprès. Alléluia. Babylone symbolise aussi l'orgueil de l'homme. L'homme qui veut s'élever au-dessus de Dieu. Alléluia. Et pour y arriver, pour réussir à détourner les gens, pour mettre leur plan en place, pour détourner les gens de la vérité. Et l'un des moyens efficaces que Babylone utilise pour éloigner les gens de Dieu, pour formater les gens, afin que les gens adhèrent à son système et sombrent dans la folie de Babylone, c'est les systèmes éducatifs.
Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire, pour ceux qui sont à l'école, de quitter les écoles ou de sortir vos enfants de l'école. Non. Tout simplement, de faire attention avec tout ce que nous écoutons, avec tout ce qu'on nous enseigne, avec tout ce qu'on nous enseigne, les éducations que nous recevons par rapport à nos familles, qui viennent de nos familles, mais qui sont basées sur des traditions et qui ont pour but de nous voiler de la voie de Dieu, de nous détourner de la voie de Dieu. Amen. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur dira, instruis l'enfant selon la voie qu'elle doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Parce que si vous ne le faites pas, Babylone va s'en occuper. Alléluia. Et vous aurez des enfants rebelles à la maison. Alléluia. Donc nous devons faire attention. Nous devons aussi faire attention à tous les mensonges de Babylone. Tous les mensonges que Babylone nous balance au travers de ses médias. Parce que vous voyez, à force d'écouter les mensonges tous les jours, à force d'écouter les mensonges, ça va finir par devenir comme étant une vérité alors qu'ils sont des mensonges. Amen. Babylone et ses élites ont choisi délibérément de servir les diables. Il n'y a qu'à voir. Tous ces gens qui nous gouvernent sont tous dans des organisations occultes. Vous le voyez, ils sont tous dans les loges mystiques. Ils sont tous dans la franc-maçonnerie, l'Alliance Club, la Rose-Croix. Alléluia. Ils peuvent être de gauche, de droite, du centre communiste, républicain, démocrate, mais ils sont tous dans ces choses. Ils peuvent se dire opposants, mais en réalité, ce sont des frères. Lorsqu'ils se retrouvent dans leur loge, ce sont des frères. Et quand ils sortent de là, c'est pour venir distraire la population ou les populations. Nos frères croient qu'ils sont opposants. Et c'est vrai qu'ils sont opposants, mais ils sont opposants à Dieu. Parce qu'ils ont un même dessein, c'est-à-dire éloigner les gens de la vérité et les pousser à vivre des vies de dépravation, des vies qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Et pour y arriver, pour mettre leurs objectifs ou encore leurs stratégies en place, pour détourner les gens de la vérité, ils utilisent plusieurs systèmes. Nous sommes Romains. Romains 1, 18 à 25. On va aller dans Romains. Romains 1, 18 à 25. Romains 1, 18 à 25. Romains 1, 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création. Quand on considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, ils n'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Donc là, la Bible dit qu'ils ont connu Dieu, ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu existe, mais ils ont choisi délibérément d'ignorer Dieu. Ils ont choisi délibérément de servir les diables. Alléluia. On va continuer.
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et qui ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux de quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, leur propre corps plutôt. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont fait quoi? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc Babylone et ses élites ont choisi volontairement de servir le diable. Ils ont choisi volontairement de servir ses desseins. Malgré qu'ils savent que Dieu existe, hein, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils nous cachent la vérité et ils nous balancent les mensonges. Et pour beaucoup de nous, nous avons été formatés depuis toute notre enfance, à l'école. On nous apprend que le monde a été créé à partir de Big Bang. Au départ, il n'y avait rien. Après Big Bang, et l'univers est venu à l'existence. Mais en réalité, ces gens savent que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Mais ils ne veulent pas dire parce qu'ils ont choisi volontairement de servir le diable. Ils vont vous dire que la vie a apparu sur la terre, a commencé sur la terre dans l'eau. Mais d'où venait cette eau? Apparemment, il y avait des cellules qui sont formées de nulle part dans l'eau. Et un beau jour, ils sont décidés de sortir. Et ils se sont dit les uns les autres, tiens, moi je vais devenir tigre. Tiens, moi je vais devenir lion. Je vais devenir arbre. Alors là, arbre, je ne sais pas, parce qu'avant qu'il y ait arbre ou plante, il y a d'abord grain. Donc je ne sais pas si c'est celui qui sort de l'eau a décidé d'abord de devenir grain avant de devenir plante, ou c'était directement plante directe. Après, il vous dit comme quoi l'homme descend du singe. Qui c'est qui descend du singe ici? Ils vous disent comme quoi l'homme descend du singe. Et pour appuyer leurs mensonges, ils vont chercher des escalettes, je ne sais pas où, des macaques, des singes. Ils vous présentent ça comme votre ancêtre, Lucie. La grand-mère Lucie, notre ancêtre. Alléluia. Et tout ça dans le but, hein, de formater les gens, de les détourner de la vérité, de les éloigner de Dieu. Amen. Babylone est en rébellion totale contre Dieu. Il fabrique des philosophes. Babylone est très puissant pour fabriquer des philosophes, des penseurs, des grands penseurs, des grands savants. Et plus ils ont de la connaissance, plus ils sont enflés d'orgueil. Mais leur connaissance et tout leur savoir est une folie devant Dieu. Il les amène à la mort. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Des Corinthiens. Des Corinthiens 4, 3 à 4. Des Corinthiens 4, 2 à 4. Des 3 plutôt, 3 à 4. Corinthiens 4, 3, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, si l'évangile est voilé,
voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Et souvenez-vous, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que dans ce siècle présent, il y a un Dieu qui voit l'intelligence des gens. Pour pas qu'ils puissent voir, briller la splendeur de l'Évangile. Pour pas qu'ils puissent être éclairés par la parole de Dieu. Alléluia. Faisons attention. Renouvellement de l'intelligence. Ils nous apprennent à penser comme des humains. Ils nous apprennent à réfléchir comme des humains. Encore une fois, la philosophie, la pensée humaine, l'homme qui réfléchit sur toutes choses. Vous lui présentez une Bible. Vous lui présentez les faits que c'est Dieu qui a créé le monde. Et ils sont perdus dans leur réflexion parce qu'ils ont été formatés d'une certaine façon. On leur a appris à penser d'une certaine façon. Et vous savez, lorsqu'on vous présente, comme je dis, les mensonges tout au long de votre vie, c'est très difficile pour que vous puissiez changer du jour au lendemain. Faisons attention. Et même dans l'Église, l'Église qui est censée être l'appui et la colonne de la vérité a été infectée par les venins de Babylone, infiltrée par les faux prophètes de Babylone, par des faux pasteurs de Babylone qui ont réussi à remplacer la parole de Dieu par des fausses doctrines basées sur la philosophie, par la tradition humaine, par la pensée humaine et par des pratiques occultes. Et souvent, nous sommes attirés par ce genre de personnes. Ils ont réussi à égarer les gens de Dieu, à égarer les gens, les peuples de Dieu. Et Colossiens 2, 8 nous dit que personne, que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition humaine. Et non sur Christ. Nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui vivent à la manière de Babylone. Ils viennent à l'église, ils peuvent lever les mains. Voilà, ils peuvent se coucher par terre. Vous le voyez en train de crier. Mais dehors, ils vivent à la manière de Babylone. L'amour de Dieu a été remplacé par la haine, par des rivalités, par des jalousies, par l'hypocrisie, par la médisance. Toutes ces choses qu'on trouve à Babylone sont rentrées dans l'église. Renouvellement de l'intelligence. Sans compter la mode de Babylone. Des hommes et des femmes qui s'habillent bizarres, des accoutrements bizarres, des coiffures bizarres de Babylone et rentrent dans l'église. Aujourd'hui, la mode de Babylone, c'est que tout le monde coupe les cheveux comme ça. Ici, tout le monde rasé, on laisse ici. Et dimanche à l'église, vous voyez tout le monde rasé ici. Tout ça, on laisse tout ça. Vous voyez tout le monde rasé, on laisse juste un petit truc ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Crête, hein? La mode de Babylone est rentrée dans l'église. Et là où nous devons faire attention, c'est que Babylone ne fait pas les choses par hasard. Toute chose a une signification. Voilà pourquoi beaucoup sont dans les liens,
dans les liens bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses juste pour suivre les gens, juste pour suivre la mode. Aujourd'hui, tout le monde se tatoue. Alors moi aussi, je dois me tatouer. Mais derrière les tatouages, il y a des portes que vous ouvrez. Babylone ne fait jamais rien par hasard. Devons faire attention. Alléluia. Les accoutrements bizarres, les habillements bizarres. Et quand on veut reprendre les gens, comme les chrétiens sont experts avec la parole de Dieu, avec les versets bibliques, ils vont vous dire que Dieu ne regarde pas les apparences, mais c'est les cœurs. Mais laissez-moi nous dire une chose. Si par mon apparence, je deviens une pierre d'achoppement pour mon frère ou ma sœur, Dieu me demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Devons faire attention. Des parents qui viennent à l'église et qui laissent leurs enfants à la maison. Et pendant que vous êtes là à l'église en train de louer, Babylone est en train d'éduquer vos enfants. Au travers de la télévision, au travers des jeux vidéo. Des parents qui veulent aller au ciel, mais qui laissent leurs enfants aller en enfer. Après, vous avez des parents dans des maisons, des parents qui sont chrétiens, mais des enfants athées. Pourtant, le Seigneur dit dans Proverbes 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Parce que pendant que vous êtes là à l'église, pendant que nous sommes à l'église en train de louer, Babylone instruit les enfants à la maison. Alléluia. Renouvellement de l'intelligence. Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et une sainteté que produit la vérité. La Bible est claire. Nous ne devons pas marcher, nous ne devons plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu. Combien de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui sont étrangers à la vie de Dieu. Renouvellement de l'intelligence. Et le Seigneur crie dans Apocalypse en disant, sortez des milieux d'eux, mon peuple, afin que vous n'ayez pas part à ces fléaux.
Maintenant, comment sortir de Babylone alors que Babylone est partout? Babylone et son système est partout. Si je quitte ici la France, je vais aux États-Unis, c'est la même chose. En Australie, c'est la même chose, le même système. En Afrique, c'est le même système impie. Comment faire pour sortir de Babylone? Tu peux vivre dans Babylone, mais tu ne fais pas partie de Babylone. 1 Corinthiens 2:16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ. Or nous, nous avons la pensée du Christ. Comment sortir de Babylone? Tu dois sortir de Babylone par tes pensées. Les pensées de Babylone doivent te quitter et tu dois embrasser la pensée de Christ. Alléluia. La pensée de Christ doit prendre place en nous. Comment sortir de Babylone? Tu dois sortir de Babylone en renouvelant ton intelligence par la parole de Dieu. Par la méditation de la parole de Dieu. Combien de chrétiens viennent à l'église? Qui ouvrent la Bible qu'à l'église? Mais à la maison, rien du tout. Et surtout dans les milieux africains. Surtout nos mamans africains. Combien viennent à l'église? La méditation de la parole pour certains ne s'arrête qu'à l'église. Voilà pourquoi beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes peuvent abuser de beaucoup de gens. On peut pas pleurer parce qu'il manque la connaissance. Et Dieu explique, parce que nous connaissons cette verset, hein, nous connaissons bien cette verset. Mon père va périr par manque de connaissance. Mais les versets ne s'arrêtent pas là. Elles continuent, rien qu'en dessous, la Bible déclare, puisque tu as rejeté la connaissance. Le peuple a déjà rejeté la connaissance. Les chrétiens ont rejeté la connaissance, ont rejeté la parole de Dieu. Renouvellement de l'intelligence. Comment renouveler mon intelligence? À demander au Saint-Esprit de renouveler l'intelligence en moi, parce qu'il est l'esprit d'intelligence. Amen. Et une fois que mon intelligence est renouvelée, alors il y a transformation. Alors je serai transformé. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de transformation sans renouvellement. Le renouvellement, la transformation n'est que conséquence du renouvellement de l'intelligence. Alors au lieu de prier, Seigneur, transforme-moi, non, prie plutôt, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Parce qu'avec les renouvellements, il y aura transformation. Et une fois que tu es transformé, tu vas commencer à discerner. Il n'y a pas de discernement sans transformation. Il n'y a pas de transformation sans renouvellement. Tu vas commencer à discerner les choses de Dieu.
Tu vas commencer à discerner ce qui est bon pour ta vie. Tu vas commencer à discerner ce qui est agréable à Dieu. Comment être agréable à Dieu? Les choses qui plaisent à Dieu. Et tu vas devenir un chrétien accompli en Christ. Alléluia. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, ces temps de confusion, ces temps de ténèbres, nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu pour que nous ne soyons pas des gens, des chrétiens ballottés par toutes sortes de vents et de doctrines. Amen. Nous avons besoin d'être renouvelés dans l'intelligence afin de discerner qui est qui. Surtout à l'église, qui est qui. Parce que l'ennemi est tellement infiltré dans l'église. Parce que le diable a envoyé ses agents à l'église. Alors nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner les ruses du diable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.